Oui, donc, voilà, donc c'est avant du. Donc, quand on retire la chaussette, vous voyez la chaussette, on voit que je l'ai coupée au niveau du talon. J'ai coupé au niveau du talon une vieille chaussette. Donc, ça me permet, voilà, d'avoir un truc coudé et ça contraint pas le mouvement aérien de la perche qui fait quelques rotations sur elle. Et là, j'ai le truc de commande. Donc, j'ai mon joystick pour lui dire, tu vois, gauche-droite, là, je me battais tout à l'heure pour recadrer mon image. Et vous avez, bah voilà, trois boutons principaux. Et puis, il a une molette pour zoomer. Je peux zoomer x20. J'en ai pas encore fait spécialement usage, mais ça va peut-être venir. Avec un indicateur, quand j'allume, bah d'ailleurs, je vais être obligé de le faire parce que on va s'en servir. Voilà, je reste appuyé 3 secondes pour l'allumer. Et hop, vous voyez, ah, ça se voit peut-être pas. Mais j'ai un indicateur de batterie, de mode et de qu'on appelle ça, d'alerte. En fonction qu'il clignote de telle couleur et telle fréquence, ça veut dire telle ou telle chose. Donc là, le trépied est déployé. On était posé comme ça à prendre en filmer. Là, je clique deux fois, ça repasse en paysage, comme d'hab, normal. Vous voyez dans le détail la chaussette. J'ai astucieusement dans une. C'est un dispositif, vous voyez, de contrepoids au niveau de l'aimant. Je ne sais pas si ça se voit bien, si je filme bien. J'ai bloqué une vis pour bloquer ma chaussette, qu'elle ne bouge pas. Je ne sais pas si on voit bien la vis, mais là, il y a une vis au centre. Voilà. Et ça marche super bien. Donc, je vais remballer le trépied en dernier. Je vais d'abord remballer mon sac, vous l'aurez compris. Voilà, je vais glisser ensuite le trépied dans le restant de fond de chaussette. Et en main, il y a juste le pupitre de contrôle qui sort de la chaussette. Voilà, je cadre mal parce que je regarde ce que je suis en train de manipuler au niveau du trépied. Et c'est vraiment sans sas, quoi. À l'utilisation, c'est vraiment sans sas. Donc voilà, je vais ranger mon bazar, j'ai mis un peu l'inventaire, j'ai même une sacoche. Je vais garder le gobelet de mayonnaise et une batterie sous la main. Et bon, voilà, j'ai le miam, j'avais le bouquin dont je voulais parler avec Nayonet. Et puis, Regardez d'ailleurs. ouais. Après, j'ai mes effets personnels, j'ai du miam, les trousses de secours qui sont au fond en rouge. Je te propose qu'on se mette de dos face à la caméra. Ah bon? Ok. Ah oui! Alors, chute, mystère, attends, ils vont voir de leurs propres yeux. Oui! D'ailleurs, c'est baissé. Ah, c'est baissé. Oui, mais c'est pas grave, ça c'est au sol. Lève-toi dans la caméra. Oui, mais c'est pas grave, mais je te filme là. Ah oui, ok, alors tu prends sac à dos. Oui, voilà, bouge pas. Et c'est troublant, mais avec Nayonet, il se trouve qu'on a quasiment le même modèle. On va dire qu'il est similaire à défaut d'être identique. Parce que regardez le mien, on ne s'est pas consulté, hein. Mais normalement c'est la même marque et c'est le même dessin, le même design. Il a un truc rouge et pas moi, c'est pas du jeu. C'est ça, moi j'ai des couleurs en plus. Mais ouais, c'est un sac vachement pratique. Sur les côtés, je dois avoir des biscuits en cas de fringale et je dois avoir deux sacs pliables en cas de trucs à transporter. Je peux voler, tu penses? Oui, non, je pensais que tu faisais le toréador, tu sais, la tatara, 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 olé! Sur nous, ces acrobates avec leurs costumes et le papier. Ah, excellent! Bon, allez, je vais couper la petite vidéo sur ça et je vais reprendre la perche. Et on va continuer notre périple.